Welcome to my channel Tech and Wheels with Pat, la partie française dans la description. So today we're going to try the ID Buzz. As you see back, so I will turn the camera because I have the sun in the face, so I don't even see what I'm recording. So let's turn the camera. So here is the ID Buzz. The dimension is, I say to be fair and easy, the dimension is 4'2"2". So it's for about 4 meters and 17 in length, which means it's about that much bigger than the ID 4 and that much bigger than ID 5. So 4 and 5 centimeters bigger. So what is, it's like a child's dream. I remember I had a Volkswagen bus when I was in the army, and this is quite fun to drive. Price-wise, it's really affordable for what you get. You get a lot of car for the price, I have to say. I mean, it's cheaper than most of the big SUVs you have on the market. I'm coming with the Mercedes, the Skoda, and those big ones. So let's and it has a 77 kilowatt hour battery, which gives you a range around 400 plus kilometers, which is quite fair. What is amazing, it's the space and all the funny things that that you have in the car. So let's see the inside. Well, as said, we see the space in the back. You see, that's the key, and you have the doors on the right and on the left. So we will open this one. Electric door, again, for that price, it's amazing. You can see the space. It's crazy. You have it feels like in a plane. It's quite fun. And the back as well. We'll see the space in the baggage. Here we go. This part can lift. The first part can lift. You can take it off. Have it a little bit bigger if you have all your luggage or you go for shopping. You can as well close here to have a little bit of sound insulation and so on, or put some soft stuff on the top. You have a lot of all those bags can go out, so you can use all the space under. And the seat as well can that much space is crazy, really crazy. So here we go, drivability. I mean, it's really nice to drive, and it has as well, I think, around 310 newton. So if you push on the pedal, it drives. I mean, it's amazing to I forgot that. You didn't say that to me. Well, here we go, we're gonna drive a little bit. So it has around 310 newton meters, if I'm not mistaken. It drives quite well, sun in the eyes. And it has, when you push on the pedal, it just, I'm on normal. You hear the engine, just drive, give it all. And it's a really nice feeling. It's quite secure, and as I said, you hear a little bit of the outside noise. I mean, it's a bus. You don't forget that it's not a normal car, but it's not that bad. I have to say the sounding, it's really good. So yeah, now that's a really nice. Really nice car to have, and you get a lot for the money. That's something you have to think of. So thanks for watching. Don't forget to put a thumbs up. Leave me some comments if you want. I will reply. I reply to all the comments, and see you in the next episode. Bye bye.
ID Buzz, comme je veux, ça me rappelle un peu l'armée. En Suisse, on avait des véhicules militaires, c'était des bus Volkswagen. Et c'était super sympa à rouler. Et celui-là, il change pas aussi. Vraiment sympa à rouler. Les dimensions du véhicule, je dis pour faire simple, c'est 4 mètres, 2 mètres, 2 mètres. Donc 4,17 mètres de long, en dessous de 2 mètres de haut et 2 mètres de large. Donc si vous les comparez avec le ID4, il y a 5 cm de plus que le ID4 à l'avant et il y a 4 cm de plus que le ID5 à l'avant. Donc c'est pas un très grand véhicule, mais c'est un peu comme le TARDIS du Doctor Who, il y a plus de place à l'intérieur qu'à l'extérieur, quoi. C'est incroyable. Donc il y a batterie de 77 kW, donc 400 km de plus, 420, 430 km de distance avec une charge. Donc assez sympa, quoi. Mais et puis prix très abordable, et vous avez beaucoup de voitures pour le prix aussi. Il est moins cher, le ID Bus, il est moins cher que le Mercedes CQC, que le Skoda, tous les gros véhicules, définitivement le Audi. Donc, assez sympa, quoi. Donc, on va voir l'intérieur. Donc, la clé est là. Vous avez la possibilité d'ouvrir les portes des deux côtés. Donc, on va ouvrir la porte ici. Elle s'ouvre. On va voir à l'intérieur. On se croirait dans un cockpit d'avion. La place qu'il y a dedans, c'est incroyable. Vous avez aussi des charges dans les portières. Donc c'est du USB-C. Vous en avez deux à l'avant et puis vous en avez tous les côtés. Vous en avez aussi dans la porte ici. On referme la porte. Et tout ça pour un petit prix, quoi. C'est sympa. À l'arrière, vous avez la possibilité. Vous avez un petit panneau ici que vous pouvez qui est rétractable. Vous pouvez avoir deux, trois trucs, des casquettes, quelque chose là-haut. Vous avez une place incroyable. Si vous voyez ici, ça se sépare. Donc la première partie, vous pouvez l'enlever, puis vous pouvez avoir les bagages un peu plus. Donc tous ces bagages-là un petit peu plus loin à l'avant du véhicule. Comme ça, vous avez toute la place, vous avez environ 50 cm, un peu plus, pour mettre les commissions ou autres quand vous allez aux commissions. Ou alors, vous pouvez enlever la première partie et la deuxième partie, puis vous avez beaucoup plus de place. Donc, c'est assez sympa. Fermeture aussi avec pression du bouton. Et voilà. Donc, on va faire un petit tour. Donc voilà, à bord du ID Buzz, comme j'ai dit, c'est un bus. Et ce qui est sympa, c'est que si vous entendez, il n'y a pratiquement pas de bruit, quoi. La sonorisation est incroyable pour un bus. Alors, on parle, il n'y a que de l'espace, donc en général, moi je m'attendais à pire, quoi. Je m'attendais à, ok, comme les bus qu'on avait dans les années 80, qui étaient un petit peu plus bruyants. Celui-là, vachement bien insonorisé, quoi. Super sympa. Conduite, que vous avez 4 niveaux de conduite. Donc vous avez éco, vous avez normal et puis vous avez sport. Et le quatrième, vous pouvez le customiser comme vous voulez. Donc vous avez 4 niveaux de conduite. Et 310 Newton-mètres. Donc pour moi, ça veut dire qu'il y a de la pêche quand j'appuie sur la pédale. Et il y en a. Donc c'est assez sympa pour dépasser autre. Et puis bon, 145 km de max. Mais être dépassé par un bus sur l'autoroute, celui-là, il le fait aussi. Et je suis en position normale, je suis pas en sport. Donc en sport, ça doit arracher un petit peu, quoi. Mais donc voilà, vraiment sympa, sympa véhicule à rouler. Et comme j'ai dit, beaucoup pour le prix aussi. En Norvège, il est en dessous de 50 5 000
il coûte 500 000 couronnes, en dessous de 500 000 couronnes. Donc ça fait quoi, 50 000 euros, 48 000 euros dans ces eaux-là. Entre 40 et 50, on va dire. Mais comme j'ai dit, un prix moins cher que la majeure partie des gros véhicules électriques que vous trouvez, justement Skoda et autres gros véhicules, quoi. Donc, est vraiment sympa à rouler. Donc, n'oubliez pas, petit pouce, vos commentaires sont toujours bienvenus. Je réponds à tous les commentaires, vous le savez bien. Et posez-moi des questions. Et puis, on se revoit dans un prochain épisode. Ciao, ciao!